Le 12 octobre 2018, la princesse Eugénie a dit oui à son mari Jack Brooksbank. La fille de Sarah Ferguson et du prince Andrew avait détonné en se mariant sans voile. Une première depuis des décennies. Ce n'était pas juste pour se faire remarquer, mais pour défendre une cause qui lui tient particulièrement à cœur, comme l'a expliqué le Mirror ce dimanche 31 juillet. Presque 4 ans après, le mariage de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank fait toujours parler. Après s'être dit oui le 12 octobre 2018, le couple a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé August, en février 2021. La même année, la mère de famille est devenue la marraine royale de la Scoliosis Association UK. Une cause qui lui tient à cœur puisque la princesse Eugénie a elle-même eu une scoliose. C'est pour cette raison qu'elle avait tenu le jour de son mariage à ne pas porter de voile. Depuis des décennies, toutes les princesses royales s'étaient mariées voilées, alors le choix de venir à la cérémonie vêtue d'une robe Peter Piloto and Christopher Devaux, dos nu, mais sans voile, avait interpellé. À tel point que le Mirror se penche encore sur le sujet ce dimanche 31 juillet et rappelle que c'était pour laisser sa cicatrice apparente le long de son dos. La princesse Eugénie avait un vrai message à faire passer. Alors que certains auraient tout fait pour dissimuler cette cicatrice, la princesse Eugénie, courageuse, a décidé de l'assumer. Il s'agit des stigmates d'une opération de la colonne vertébrale qu'elle a subie, il y a 2 décennies, à l'âge de 12 ans. Du titane avait été ajouté pour réduire la courbure causée par la scoliose, explique le tabloïd. Elle avait été soignée au Royal National Orthopedic Hospital, RNOH. Sans les soins que Jai reçut au RNOH, je ne serais pas comme je suis maintenant, mon dos serait voûté, avait-elle expliqué dans un article publié par l'établissement. Et je ne serais pas capable de parler de la scoliose comme je le fais maintenant, et d'ailleurs les autres enfants qui viennent me voir avec le même problème, avait poursuivi la princesse Eugénie. Plus grand que découvrir les photos de la princesse Eugénie et de son mari essuie la preuve vivante que l'hôpital peut changer la vie des gens. Mes problèmes de dos ont occupé une place importante dans ma vie, comme ce serait le cas pour n'importe quel enfant de 12 ans, avait expliqué celle qui veut montrer que malgré sa cicatrice toujours visible, son cas est source d'espoir. Les enfants peuvent me regarder maintenant et savoir que l'opération fonctionne. Je suis la preuve vivante que l'hôpital peut changer la vie des gens, avait-elle conclu. En juin 2020, la princesse Eugénie avait partagé sur Instagram des photos de sa cicatrice à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à la scoliose. Soyons fiers de nos cicatrices, avait-elle lancé. À propos de thank you.